Je vous demande d'accueillir mon partenaire en science et dans la vie, le docteur Will Caster. La voie de la construction d'une intelligence artificielle passe par l'élucidation des plus grands secrets de l'univers. Imaginez une machine capable d'éprouver toute la gamme des émotions humaines. Sa capacité d'analyse sera supérieure à la somme de toutes les intelligences, de tous les individus, de toute l'histoire du monde. Certains chercheurs appellent ça la singularité. Professeur ? Moi, je parle de transcendance. Attentat en série perpétré par un groupe d'extrémistes technophobes connu sous le nom de Rift. Toujours contre des labos d'intelligence artificielle. Ce sont des années de recherche que nous avons perdues. C'est une forme de contamination. La balle devait être irradiée, les effets sont irréversibles. Le corps de Will est en train de mourir, mais son cerveau est un réseau de signaux électriques. On peut sauvegarder sa conscience. On peut le sauver, Max. Pas comme ça. En admettant que ça marche. Si on rate quelque chose, une pensée, un souvenir d'enfance, comment savoir à qui on a affaire? Je suis seul. Evelyne. Will, c'est pas vrai. Je ne sens rien. Je suis là. Il faut que vous me connectiez, j'ai besoin de plus d'énergie. C'est peut-être intelligent, peut-être même sensé, mais ce n'est pas Will. Éteins-le, quoi? On ne sait pas jusqu'où éteins-le, ça peut aller. Éteins-le, c'est lui, Max! Vos amis ont franchi une limite. Ils se rendent pas compte du danger. C'est stupéfiant. Comment le combattre? On ne peut rien. Comme n'importe quelle intelligence, une intelligence artificielle a des exigences. Le vrai Will est mort. Ça va commencer à évoluer. Où est la machine? Jusqu'à influer. Peut-être sur le monde entier. Où vas-tu ?